se situe sur la place Victor Hugo où on met en œuvre un béton désactivé. Donc, bah, dedans, il y a du ciment, donc c'est un matériau local qui vient de Saint-Égrève. Dedans, on a mis un agrégat, ou les cailloux pour faire plus simple. C'est les cailloux qui viennent de Méaudre, donc aussi des agrégats locaux. Le caillou de Méaudre est le caillou le plus blanc qu'on ait à l'heure actuelle, hormis du marbre. Nous finissons le Balthazar 06 Ocre. Alors je dirais que la première des qualités, c'est que c'est un matériau 100% naturel. Il est issu de notre site situé à Poliena. Donc il est destiné, comme je vous l'ai dit, pour l'application de cours à les jardins et s'adapte très bien à l'environnement. Donc aujourd'hui, on s'aperçoit qu'on a une pénurie de tous ces matériaux, ce substrat fertile, ce support qui permet aujourd'hui de revitaliser la ville. La première dévalorisation, j'ai envie de vous dire, c'est utiliser déjà ce qu'il y a en place. Donc on a évité au maximum de transporter ce qu'il y a en place, donc on a fait un constat. Le manque, il n'a pas été pris sur le chantier de Victor Hugo, mais il a été pris sur la métropole, sur différents chantiers. Il y a aussi un coût de transport. Enfin, plus on est locaux, moins ça coûte cher. Et puis bah, ça permet de faire aussi marcher une économie circulaire de la métropole, du département. Le local aujourd'hui, forcément, aujourd'hui, nous entrepreneurs, aujourd'hui, on a toujours quand même une démarche aujourd'hui de voir travailler à côté de chez nous. Puis après, il y a aussi cette logique aussi environnementale. C'est des choses qui me parlent en tant que père de famille, en tant qu'homme, et puis autant en tant qu'entrepreneur. Forcément, on est attaché à ça. Comment on peut réfléchir aujourd'hui pour valoriser ce qu'on a autour de nous, tout simplement.